Ah, tu n'as pas un béret là-bas? Effectivement, j'ai un béret. La lame? C'est loué! C'est loué! On était chez nous, comme d'habitude, dans nos balades tiktokales. Amen! On tombe sur une vidéo où Nukuloba est en train d'être frappé. On dit que il a volé 15 millions, mais il a mangé ça avec toi. Vous allez nous expliquer c'est quoi le truc. Parce que le gars là, il s'appelle Steve Loba. Et on voit que tu t'appelles Nukuloba. C'est le même nom façon là. Donc vous vous connaissez. Comment ça se fait que tu as accusé de vol? Dans quel coup? Et avec qui tu as bouffé? Et comment c'est fini? Ce béret, il est lourd, madame, ouais, la gouverneure. Ouais, ouais, ouais. Madame la gouverneure. Ouais, ouais, ouais. Ce béret, il est très lourd. Très lourd, très lourd, très lourd. Okay, nous voulons savoir. C'est une longue histoire, en tout cas. Faut aller vite. Il n'y a pas eu de vol, c'est une longue histoire. Faut résumer. Une longue histoire, c'est bien sûr. Non, faut résumer, parce que tu n'as pas... Donc, on considère qu'on doit croire ce qu'on a vu, alors. Parce qu'on a vu que ton frère... Il y a une patralie, tout ça, dans la vidéo. C'est ton oncle, le gars. Internet, partout. Non, c'est mon cousin. Ton cousin, ouais. D'accord. C'était quoi le bail? Bon, mon vieux, c'est long. Hein. Prenez ça en compte. Donc, tu l'as volé ou pas? Mais explique-nous un peu. Personne n'a volé. On n'a pas volé. Personne n'a volé le gars. Non, il n'y a pas eu de vol. Le gars a tout mon coin. Il y avait eu 15 millions, mais il y avait eu le vol. Pourquoi t'as été accusé, en fait? Pourquoi t'as été frappé, même? Parce que t'as été frappé. Mon vieux, c'est long, hein. Si il a commencé à expliquer, là... Non, faut pas expliquer. Faut résumer. À l'école, là. À l'école, on dit, on fait un test. Le test, ça fait 10 pages. On a besoin de conclusion. Et puis, on résume ça sur 3 lignes. Mais mon vieux... Il a pris son gay dans le dos. Ah, voilà. Il a pris son gay dans le dos. Dans le dos. Qui a pris le gay de qui? Non, c'est pas gay. C'est pas le gay de quelqu'un. C'est pas le gay de quelqu'un. C'était un ouais de foutaise. Maintenant, ça a tourné sur les réseaux, sinon il n'y a rien. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas eu vol. En fait, j'ai envie de comprendre. Il a pris son gay dans le dos. Moi, je vais dire qu'il a pris son gay dans le dos. Sans doute, il y a un jeton qu'on ne voulait pas lui donner, mais voilà. Donc il avait le droit. Il avait le droit. Et puis maintenant, il a pris dans le dos. C'est-à-dire qu'il a pris sans le consentement. Parce qu'il se disait que s'il ne faisait pas ça, il n'allait pas avoir pour lui. Voilà. C'était un moment qui s'est passé et puis il a pris son gay. Maintenant, c'était quel moment? Non, c'était un moment, c'est gay. Maintenant, tu as le courage de nous dire que c'est ça. Sinon, il n'y a pas eu vol. Mais c'est fini comment, cette histoire-là? C'est bien fini, tranquillement. Comment expliquer? Non, il n'y a pas d'explication. Non, vous êtes parlé. Non, on s'est parlé, vous avez dit quoi? Donc, c'est quoi les rapports entre toi et ton cousin maintenant? Parce qu'il te traitait de voleur, il te disait que tu n'étais même pas un loba, que tu étais un doua. Enfin, c'est doua ou bien doua. Quand on se voit, c'est comme un champion. Ouais, c'est comme un champion. Toi, tu as bouffé là, un doupi. Le gars, là, tu as bouffé un doupi. Mais toi, tu dis que tu n'as pas volé, tu as pris gay dans le dos. Mais on a vu que tu as envoyé le reste, on a vu un fonds revenu, un jeton revenu. Il y a l'un qui a quitté dans ma main pour aller donner à quelqu'un la vie, mais c'est ça. Mais on a vu dans la vidéo que tu venais, bon, quelqu'un, entre vous là, quelqu'un qui a fait sortir le jeton. C'est moi la vie, c'est ça. Il n'y a pas eu de vol là. Il n'y a pas eu de vol, c'est les histoires, c'est les réseaux. Donc c'est gay dans le dos. Écoutez, on va vous voir.